Bonjour à toutes et à tous. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pendant les deux tournois, la vidéo précédente, je pense que je vais faire à ce moment-là, pour se faire El Famoso Choc des Titans. Du Pixdora, donc c'est mon troisième Choc des Titans, je crois, que je fais dans ma vie. J'ai commencé quand ils ont commencé à en faire. J'ai pu en faire deux, et après ils ont mis une limite de niveau, donc j'ai pas pu. Mais là j'ai dépassé niveau 60, comme vous avez pu voir dans les dernières vidéos, enfin dans les dernières vidéos plus. J'ai avancé, enfin j'ai fait les 28 événements petit à petit, et là on y est. Alors les autres événements, bon je les ferai plus tard. Tournoi, je suis en Ligue Predator, si vous voulez savoir, dans les deux. Mais je risque d'en monter parce que je suis très proche de la Ligue Dominant. Et il reste un jour, et donc on commence. Eh ben c'est très bien ça. C'est nul. Allez hop, on va mettre du faible. On peut privilégier les espèces au-dessus pour le tournoi, ce serait pas mal. Bon après si je vais en utiliser ce que je pense que je vais avoir besoin, c'est pas si grave. Donc ouais, dans le Tyrus, je vais changer après. Donc je peux prendre, tiens, le Tyrus. Il est nul, donc bon, autant prendre, mais il fait des dégâts, donc ok. Et après, bon, on peut prendre peut-être pas Rajazor, parce qu'il va pas mettre assez de dégâts. Oh, quoique. Ouais, non, j'ai assez de carnivores, hein, allez, dis-moi trop. Et on peut partir avec ça, c'est parti. Bon, il n'y a rien de très nouveau dans le parc quoi. J'ai fait, enfin il y a l'événement, si vous suivez peut-être, si vous jouez au jeu, il y a l'événement diffusion. On peut gagner un paquet séquençage avec un dino dedans. On peut avoir de l'hybride, mais bon je pense pas avoir l'hybride en tout cas. Enfin oula, qu'est-ce qu'il a fait là, il y a un petit bug, il a carrément passé l'animation. Bon donc ouais, il y a séquençage avec, enfin avec le paquet séquençage, du coup on peut avoir une petite espèce très sympathique. Ok, il a rien mis. Mais bon, on va charger. Je pense que c'est un petit peu fort, je vais baisser. Voilà, je pense que comme ça passe. Donc, bah, j'espère que vous allez bien dans toute votre vie. Dans toute votre vie, voilà. moi, perso, ça va. Si vous posez des questions. Que je peux vous dire d'autre, en vrai j'ai pas grand chose à dire parce que bon, à part le tournoi, ouais je suis prédateur dans les deux, j'ai bientôt retourné dominant, et le fait qu'ils ont abusé, enfin ils ont quand même abusé, un peu abusé aussi de mettre trois événements. Bon, après ça va, il y en a un qui est Cénozoïque, donc ça va pas en faire trop, mais c'est quand même pas mal. Oula, 4 parades défensives toi. À part ça, j'ai pas grand chose. Ah, quoique, ouais, il risque d'avoir quand même du Régent Cyclope pendant un petit moment, parce que, bon, je me suis repris au jeu. J'aime bien. Ok, encore 4. Je pense que je vais mettre 4 parades s'il met rien là, ce tour. Allez. Ok, bon, je vais mettre 4 parades. Sinon, j'ai pas grand chose à dire. Voilà, donc 4. Bon, le cycle buggé, hein. On connaît. Sachant que là, ouais, forcément, je tourne cette vidéo, je sais pas ce que j'ai eu. Je vais mettre des parades. Mais qu'est-ce qu'il fait? Bon, je pense qu'on est buggé. Il met combien de dégâts, Dimitron? 400, je sais pas si. Ah, bah c'est bon, il s'est débuggé. Yes! Ok. C'est gagné. Je vais pouvoir tout mettre. Au final, le Dimitrodon, il a servi à rien. Ouais. Ah, si, j'ai un truc. Du coup, en même temps que le tournoi, il va y avoir le paquet VIP. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Petit paquet VIP. En fait, je me demande si ce serait pas mieux pour faire genre, pour suivre le cours du temps, si je devrais pas poser cette vidéo et après le tournoi. Je pense que je vais faire comme ça au final. Donc ouais. Donc il y aura forcément un paquet VIP parce que là, alors j'ai compté, du coup ça fait 3900 points VIP avec tous les paquets, enfin paquet prédateur, je suis sûr de l'avoir. Ça c'est très faible qui est en face, donc c'est très bien. Et c'est que du ptérosaure. Ouais, c'est très bien quoi, ce qui va se passer. En gros, tournoi, bon il va y avoir un paquet VIP en plus, je me demande qu'est-ce que je vais avoir. Donc, Superzorus. Stegosaur, et je pense qu'on peut prendre un Tractopelta
Et normalement j'ai gagné. Oh, tu puiseras justement. Cool. Donc c'est très très faible hein, ce qu'ils ont. Hein. J'envoie du très faible parce qu'ils envoient du très faible. Enfin très faible selon mon niveau hein, bien sûr. Et très faible pour eux, c'est-à-dire. Moi si j'en là si dans cette équipe j'envoie des dinos que moi je trouve normaux à utiliser, c'est-à-dire du VIP, je les démonte. Donc il a eu deux, il a rien mis. Ça fait un peu peur ça. Sûr qu'il me tue peut-être en deux coups. Eh ben écoutez, pause. Donc c'est bon, on reprend. Alors je suis désolé pour cette petite pause. Alors je sais même pas si j'ai vous avez entendu que j'ai fait une petite pause. Vous inquiétez pas, vous avez rien loupé. J'ai fait juste un petit calcul pour savoir. Normalement il me tue, mais 705 points de dégâts, un truc comme ça. Si j'ai bien calculé les multiplicateurs, donc dans le doute, voilà. Dans le doute, autant en charger, au lieu de mettre des parades et de prendre des risques, de perdre. Ok, il a tout mis. Est-ce que ça me tue, du coup? Ouais, ah oui, ouais, non, c'est 703. Ok, donc c'est bon, non, j'ai trop le bon calcul. Donc, alors, ou à limite, ça passe, je peux charger encore. Je vais mettre une petite attaque, histoire de baisser ses points de vie. Je peux me charger des deux avec l'Entanto-Belta, parce que, bon, il est plus fort, il tank plus. C'est deux ptérosaures, et du coup, vu que c'est que deux ptérosaures, ben, ça passe. Donc, allez. Oh, c'est. Oh non, il a tout mis en parade, bien sûr, bonjour. Enfin, pas grave. J'aurais quand même préféré mettre tout en parade pour tanker mieux ces coups-là, mais bon, je pouvais pas prévoir. Voilà, c'est bien, il met tout. Ça passe. Tac. Il met combien de dégâts le terme d'Ongène 2? Il met 500. Ouais, d'accord. Bon, déjà, on va le tuer. Hein. Oh, mais non, mais ça, pourquoi ça me fait comme le tournoi, 60 PV près? Je vais rajouter une attaque. Là, du coup, c'est 547. Normalement, ce serait 273 ou 274. Donc, normalement, il met moins. Parce que, ouais, lui, il met vers les 600 points de dégâts. Lui, il met moins. Donc, je suis sûr de survivre en deux attaques. 1, 2. Et 1, 2. Logiquement, hein. Mais je pense que mes calculs sont bons parce que c'était 703,5. Donc, ça passait. Pas 705, j'ai arrondi. Voilà, donc il met moins. Donc ça tue pas, ça c'est sûr. Il va mettre beaucoup de dégâts, hein, ça c'est sûr. Bon, ça tank. Et j'ai gagné. Deuxième combat du choc des titans, gagné sur 5. Pour avoir le paquet du Pulsora. Bon, alors par contre, je vais pas accélérer le Pulsora, vous le verrez dans une semaine. Enfin, avec les vidéos, voilà. Parce que j'ai il faut que je me fasse des billets jusqu'à 6000. Et une fois à 6000, je ferai l'amélioration du centre de nourriture. Parce qu'il me faut 3000. Et que du coup j'aurai le niveau max. Et que ce sera très bon pour les prochains dinos. Sachant que enfin, que je commence quand même à faire des dinos niveau 40. Donc ce serait pas mal de l'améliorer. Pas des légendaires surtout, donc ils prennent énormément de nourriture. Et tout ça. Ok, donc là c'est un peu plus solide quand même, les équipes qui m'envoient. Je pense que j'ai envoyé de ce que j'envoie dans le tournoi. Je commençais. En tout cas, ou alors je peux peut-être. Ouais. Tu veux ce dégât? Enfin, non, plus Prinoscus. Allez, Prinoscus. Quoique, ouais, parce que. Oh, pas grave. Moi, tant que le T-Rex il me tue pas en deux attaques, ça me va. Je pense qu'en 300 points, enfin 306 points de dégâts, je pense pas qu'il me tue. Avec les bonus, avec les boosts. Derrière, oui, changer. Donc, on prend de l'herbivore. Herbivore, je vais prendre les Horus. Derrière, du coup, il va avoir une petite chose dégâts. Et du coup, ouais, une chose dégâts et Tyrannosaure. Et je pense que le plus dangereux, ouais, c'est le Tyrannosaure. Donc il me faut un amphibien. Et je peux prendre Ichthyos Tega. Si je veux. Ou non, je vais prendre un peu plus puissant. Parce qu'au pire, enfin je pense je vais quand même galérer un peu donc Microposeur. C'est parti. De toute façon, je n'ai pas mal à ce niveau-là des amphibiens. Donc c'est parti. Je suis obligé de mettre une parade parce qu'il me tue en une attaque avec le Deinonychus. Allez. Ah bah non, il échange pas, bah ça me va. Du coup là je peux faire un tac. Là il me tue pas dans tous les cas. Et j'ai 8 actions au tour 3. Donc ça c'est bien. Oh bah il échange toujours pas.
Mais c'est que t'es très agressif, toi. Ce serait bien que t'échanges, par contre, un jour. Parce que si t'échanges pas une Exorus contre T-Rex, je pense pas que ça aille. Au pire, je peux échanger, hein. Mais bon. Il faut vraiment que j'annule mes notifications. Ok. Ok. Il a échangé, il a mis une action, il y en a une deuxième. Peut-être deux en parade. Tac, tac. Je suis obligé d'en mettre 5 à son PV, quoi. Et il va mourir. Ok. 500. Okay. Donc, vous voyez aussi, il a mis la parade, ce qui m'arrange pas trop, parce que du coup, là, il va peut-être mettre que 3 attaques. Il met tout. Bah, c'est bien. Voilà, ça m'arrange. Là, Microposor, je le tue en 3 coups, forcément. 1, 2, 3. Et derrière, le T-Rex, 306 points de dégâts. En 2 attaques, il ne me tue pas. Et après, on charge. Et normalement, c'est gagné pour le troisième combat. Allez. Allez, 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 allez. Ouais, du coup, aussi, là, il va devoir attaquer forcément, parce que sinon, je. J'ai chance de pas gagner. Mais pourquoi quand je dis ça? Ok, non. C'est alors si je mets tout en parade, je pense pas qu'il a tout chargé. Hein. Vous savez quoi? On prend le risque. Ok, j'ai très bien fait de pas attaquer. Oh là, j'aime faire arnaquer. Allez, vas-y, mets tout. Mais pourquoi tu mets rien? Non, mais je suis obligé de charger et de mettre des parades. Hein. Ok, encore 4. Ça fait peur, ça fait peur! Ça fait très peur, ça. Mais attaque! Qu'est-ce que tu fais? Je vais tout charger. Je vais tout charger, je m'en fiche. Je charge tout, une parade. Ok. Si tu refais ton cycle buggé, je gagne. Pourquoi? Eh, c'est impossible. C'est des bots, ils ont accès à ce qu'on fait. C'est obligé. Mais c'est obligé. J'ai fait 3 tours, je crois. 3 tours, il me semble. De check de s'il allait changer. Et bien sûr, quatrième tour, ah bah tiens, je change. J'ai envie de mettre. Je vais le mettre. Tout le temps, comme ça, je vais one shot et il se calme. Enfin, non, j'ai pas le one shot, mais bon. Je me comprends. Du coup, ça m'utilise des espèces. Bravo, hein. 75 billets que je vais devoir utiliser, peut-être. Au final, le tournoi, je vais pas pouvoir faire tout. Oh là là, mais c'est énervant, hein. Vraiment. On va prendre Microposeur niveau 20. J'en ai marre. J'en ai marre de cet événement déjà. Mais c'est quoi ces bots qu'ils arrivent à lire dans ce qu'on fait? C'est impossible, hein. Ouais, là, je vais lui mettre un plus fort. Bon, je vais mettre un plus fort que Microposeur, hein, je m'en fiche. J'ai utilisé un VIP, tiens. Comme ça, il va bien se calmer. Voilà, je tanque plus. Attends, non, je tanque pas plus, mais je mets beaucoup plus de dégâts. Tiens. Vas-y, je m'en fiche. Au moins, je l'aurai dans pas trop longtemps, hein, le VIP. Reste focus. Allez, vas-y, mets en parade. Hein. Parce que, bien sûr, alors, s'il ne met pas de parade, comme par hasard, il va bien échanger, attaquer. Parce qu'il sait ce qu'on fait, ces bots. Quand même incroyable. Je sais pas si ça vous le fait souvent ça aussi, mais moi ça me le fait quand même pas mal souvent. Hein. Le fait qu'ils mettent, ok, moi c'est bien méchant. Le fait qu'ils mettent enfin que vous avez l'impression qu'ils lisent dans ce que vous faites. Dites-le moi dans les commentaires si vous avez ce problème. Ok, là il a tout mis. Après, je sais, c'est chaud des titans, ouais, c'est censé avoir des difficultés, mais bon, non, quoi. Voilà, toi, je tue en 3 actions, ça va. T'es pas censé lire, enfin, le bot, il est pas censé lire dans ce qu'on fait, quoi. Il est censé agir plus intelligemment en conséquence à ce qu'on fait. Il est pas censé savoir ce qu'on a mis ou ce qu'on a fait, quoi. Là, s'il a mis 2, ok, non, c'est bon. J'allais dire s'il a mis 2, ça veut dire qu'il sait ce qu'on a fait. Et du coup, il fait pile. Ok, bon, 3 parades. Ce qui est bien, c'est qu'il a échangé, comme ça je le tue. Et il va bien se calmer. D'ailleurs, c'est il tue ce dégât, il tue ce dégât, ça va. Allez hop, t'as tout mini, t'es mort. Mais vraiment. Ça, je te tue en 2 attaques.
Alors je suis désolé, un petit T-Rex. Je t'ai mis du beaucoup trop puissant par rapport à toi. Mais je m'en fiche en fait. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, là t'es sûr. Je suis sûr, t'es mort. Quoi qu'il se passe, t'es mort. Allez. Allez. Voilà, t'as rien mis. Eh ben t'es mort. Je m'en fiche. Tiens, prends ça. Voilà, 4 parades. T'es mort, t'es 4 parades, hein, j'en ai marre, non mais. Ces bots qui mettent 4 parades, quoi. Alors j'aurais peut-être pu mieux jouer, j'aurais peut-être pu mettre 2 parades. Et après faire ça, mais après il aurait chargé. Il aurait pas mis les 4 parades, il aurait chargé. Ah oui. Parce qu'ils savent. Et ils changent en conséquence aussi. Ok, ouh là là, ça c'est très très fort. J'avais pas prévu d'avoir aussi fort. Bon ça va, après, parce que du coup, là j'ai juste. Non, je vais basculer sur ça, hein, parce que vraiment là c'est quand même pété. Hein. C'est du niveau. Enfin, c'est. Non, c'est pas du niveau de tournoi, mais c'est quand même fort. Oh si. Oh les Coulasaurus. Derrière, je peux prendre un petit talent de Gazor qui va passer en one shot. Donc ça, c'est bien. Et derrière. Pas utiliser ce dégât parce qu'il faut que j'utilise. Il faut que je le garde quand même. Peut-être, ouais, du Mastomover. Allez, c'est parti. Donc, ouais, là, on est bon, c'est. Ok, ça passe. Logiquement, je gagne. Par contre, si je gagne pas, j'ai un peu. Je vais toujours rager, hein. Parce que, ben déjà, là, ce que j'ai mis, c'est pile ce qu'il faut pour gagner. Voilà. Je échange. Et ensuite, j'ai quand même mis du plus puissant que ce que j'aurais envoyé de base, hein. J'aurais pas envoyé ça de base, moi. J'aurais envoyé du un peu plus faible, pas tellement plus faible, mais j'aurais peut-être pas envoyé le Mastonosaure non plus. J'aurais essayé de chercher genre la Cantostega en dernier parce que enfin moi tout ce que je veux c'est pas tanker, mais c'est juste mettre des dégâts à la fin. Mais bon, allez, 3. Ok, il met tout, yes. J'aurais pas mis le Mastonosaure, mais c'est pour être sûr de gagner parce que bon là c'est quand même de l'arnaque, hein. À moins d'avoir une chance incroyable, c'est de l'arnaque ça. Donc 1, 2, 3, ok, je tue en 3, c'est bien. Ça, je peux mettre une petite parade de précaution. En mode, tu mettras pas 2 actions parce que sinon je te tue et t'as perdu. Mais t'en mettras au moins 3. Ce qu'ils font souvent. Mais bon, je veux qu'ils mettent tout quand même. Hein. Mais tout. Ok, c'est bon, il met tout. Normalement, c'est gagné parce que le Stératosaure ne met pas de dégâts. Mais il tank juste. Et moi, je mets quand même pas mal de dégâts et je tank. Et j'ai l'avantage. 1, 2, 3. Derrière. Il met 100. Non, il met. Ah si, ouais, si, il met 100. Oh, je sais pas, il doit mettre 100. Enfin, ouais, non, pas 192. Je pense pas. Non, je sais pas combien il met, hein, vraiment. Et ben, écoutez, on va mettre. 1, 2. Et derrière, il me faut combien de coups? Il me faut 3 coups pour le tuer. Ben, 3 coups. Hop, voilà, terminé. Comment faire des calculs faciles? Ça marche, c'est soit cette technique, soit c'est la technique de calculer les dégâts pour mettre pile les parades qu'il faut. Ouais, 197, ouais, j'étais vraiment pas loin. Soit vous comptez le nombre d'actions que vous avez besoin pour le tuer. Voilà. Il a encore rien mis? Ah bah, bon, ça sent les 4 parades, ça. Hein? Ah bah oui, bah bien sûr. Bah oui, 4 parades. Mais moi, je m'en fiche des 4 parades. Au revoir. Puis Ludia qui dit ouais c'est trop dur pour les nouveaux joueurs choc dit titan, mais en même temps non c'est dur parce que c'est des bots ajustés à ton niveau donc non c'est juste qu'ils voulaient pas que les jeunes joueurs enfin pas les jeunes joueurs mais que les joueurs nouveaux à un petit niveau puissent avoir du tournoi trop rapidement et qu'ils aient bien le temps de sécher sur le jeu et être en mode oh j'en ai marre de perdre ils ont toujours du tournoi et j'arrive pas à gagner de tournoi et qu'ils achètent enfin je lance des théories là hein. C'est pas. J'accuse pas. Je ne dis que des théories. Là, c'est quand même du très fort, hein, du VIP niveau 16. Bon, moi, je dirais là, c'est à peu près ouais, le même niveau que le dernier combat là. Je peux envoyer du carnivore quand même. Hein. Ouais, je vais envoyer du carnivore. Allez, je vais envoyer du T-Rex. Alors, T-Rex. T-Rex, ouais. Derrière Mastonosaure, il va mettre 900 et quelques points de dégâts.
Donc, on peut mettre un voyage menu le ptérodactyle, hop, VIP. Derrière, Saint-Dosa, quant aux ors, le plus dangereux, c'est l'accro quant aux ors, quand même, ce qui tank. Que si nos ors, bon, on s'en fiche un peu. Et donc, il me faut un. Quand même fort. Un carnivore fort. Je peux mettre le. Non, peut-être pas le Spinaraptor, peut-être le Staphylococcus plus. Allez. Je pense qu'on est bon. Et je prie pour gagner. Voilà. Et peut-être qu'à la fin de ce combat, j'aurai enfin mon troisième paquet. Paquet. Ben, paquet tournoi. Avec 1300 et un bon Tupulzora et des récompenses aussi. Alors, s'il me donne des pièces, je m'en fiche. Billets serait incroyable. ADN incroyable. Nourriture un peu moins incroyable, mais c'est toujours incroyable. Voilà. Donc, vous avez vu mon palier. Et puis, Tupulzora, ça me va. Et puis, point VIP, je m'en fiche parce que de toute façon, c'est 1300, forcément, et 1300, c'est pas incroyable. C'est fou, quoi. 1300 points, c'est. Oh! C'est deux paquets VIP ouverts, enfin que t'as ouvert, parce qu'ils donnent 650 à la fin de chaque paquet, du coup c'est deux fois. Et là je vais avoir trois fois, je vais avoir 3900 points VIP au total en 2 jours. Ça se termine demain du coup. De 3, je m'en fiche derrière. Moi j'ai pas trop vu, moi, je crois qu'il a tout mis. Hein. Allez, hop, ça tue. Derrière, il va échanger peut-être pour le Stegosaur, ce qui m'arrangerait, honnêtement. Que derrière, bon, je sais que je résiste bien, que je peux le tuer. Allez. Ah non, il change pas. Bon, ça me va aussi après. Bon, ça me va un peu moins parce que là, je vais être obligé de mettre beaucoup plus et que le Sinosaur, il fait quand même mal. Mais je pense, ouais, non, il va. Je dois en mettre 3. 2, ça va pas passer. 1, 2, 3, voilà. Derrière, il va mettre 327, je crois. Un truc comme ça, 327. 327. Ouais, il me tue pas en 2 actions. 1, 2. Enfin, après. Oh, je vais. On va. Parce que je suis en 2 actions, de toute façon. Donc, on va assurer le coup. Et du coup, là, ça veut dire. Paquet, tournoi. Ouais, je tue en 2 coups. Derrière, même si tu mets tes 4 parades, et eh ben, je m'en fiche. Ah, bah non, tu es mort en attaque. Bah, bravo. Bah, il a abandonné. Bah alors. Dinosaure nul. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On meurt? Hein? Au revoir? J'ai quand même dû utiliser un Ostafricasaurus niveau 40 pour le tuer, c'est-à-dire l'un des mes plus forts. Même, c'est l'un des dinos que j'utilise dans les derniers combats de tournoi, bon, comme vous avez vu peut-être dans la vidéo de tournoi. Moi, je vais le faire. Non. Non, vous n'avez pas encore vu. Moi, je spoil les trucs. Si vous avez passé la vidéo, je vous spoil. Mais j'en ai parlé avant, donc retournez en arrière. Paquet Tupulzora, ouh les 1000 billets, ouh les 1000 billets, les 1000 billets, ça fait extrêmement plaisir. Pièce, je m'en fiche, c'est très nul, mais Tupulzora, yes, yes, Tupulzora, Tupulzora, 1300 points, et hop là, Tupulzora, et du coup, je sais pas quel prochain autre, ah oui, en plus, c'est 50, oh là là, c'est incroyable ça aussi. Quel autre choix de temps ils vont faire? Mais c'est incroyable le Tupulzora. En plus, il est vraiment pas mal. Écoutez, je vais mettre une espèce dans le truc d'ADN. Enfin, dans l'incubateur. Qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce que je mets? Zégeancopterus, c'est vrai, il faudrait que j'en mette. Let's go, Zégeancopterus. Ah non, il est complet! Non! Je vais pas le mettre maintenant, il faut que j'attende encore un jour. Quel dommage. Bon, il attendra là, hein, Tupulzora. Il est incroyable. Alors, je sais pas combien de. Quelle stat il a niveau 10. Mais je pense que je devrais plus en faire 2. Ouais, 2. Mais c'est incroyable. Mon troisième tournoi débloqué. En plus, c'est un. Ptérosaure, et j'ai besoin de ptérosaure en ce moment. Donc ce serait. Enfin, ça, là, c'est pas. Ce serait. C'est. Ça va être vraiment pas mal parce que du coup, je l'ai. Oui! Enfin! Ouais, bon, ça, c'est le combat rare. Tout ça, c'est pas mal. Ouais, il faut que je me fasse. Mais en tout cas, bah, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu.
Je sais pas quand je vais sortir la vidéo tournoi, mais certainement après leur soit un jour après, soit deux, mais pas trois parce que je compte pas vous faire attendre trop. Mais bon, oui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un petit commentaire, un petit j'aime si vous aimez. N'hésitez pas à partager. Abonnez-vous aussi, mettez la petite cloche. Et sur ce, ciao!